Radio Okapi, c'est d'abord ma passion. Depuis longtemps, j'écoutais Radio Okapi à la maison. Et c'est maintenant, après mes études secondaires, en commercial, je fais maintenant la communication à l'Université de l'Assomption au Congo. Mais déjà, dès l'école secondaire, j'étais passionné de la radio, que c'était mon rêve. Depuis longtemps, travailler à Radio Okapi, lorsque j'écoutais des grands journalistes prester à Radio Okapi, les professionnalismes, notamment dans la programmation des émissions, des journaux de Radio Okapi, ça me plaisait quoi. Jeannot Matoaki fait partie de mes inspirations. Sa façon d'animer, de tenir des antennes, mais aussi Baya Tiamala, j'aimais toujours ses tenues d'antenne, pour ne pas dire... des émissions qu'animait Nico Kalampai. Donc, ce sont des gens qui m'inspiraient vraiment à Radio Okapi depuis longtemps. Et bon, déjà, je commençais à faire des exercices dans une radio locale de Butembo, la radio-télévision Victor Horizon, la RTVH. Là, j'étais responsable d'IDESC Sport. Alors, lorsque j'auditionnais Radio Okapi, je me disais, bon, pourquoi les informations sportives de Butembo ou de Beni ne sont pas souvent diffusées à Radio Okapi? Alors, je suis entré en contact avec certains collègues via des liens. Et c'est comme ça que je commençais à voir des éléments en sport, mais aussi des éléments en culture. C'est maintenant, en 2020, lorsqu'il y a eu le processus de recrutement, nous avons passé les tests et... Et résumons, c'est comme ça qu'on est arrivé à Radio Okapi. Aujourd'hui, me retrouver dans les studios de Radio Okapi, écouter ma voix Radio Okapi, pour moi c'est un objectif atteint, c'est vraiment de la passion. C'est une autorité pour moi. Aujourd'hui, lorsqu'ils disent, notamment en famille, nous avons un journaliste à Radio Okapi, ça donne d'ailleurs de la motivation à certains familiers, qui n'avaient même pas cette envie de, peut-être d'aimer la radio ou de faire des sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, maintenant, ils ont le goût de le faire parce qu'ils ont dit « Ah, donc c'est possible d'y arriver. » Parce que notre ami, notre collègue, notre camarade est là. C'est possible d'y arriver aussi. Radio Okapi à Beni, 92 FM.